Voici aujourd'hui un numéro spécial d'itinéraire avec un document tourné pour un organisme francophone international, le CIRTEF, qui regroupe plus de 15 pays. Chaque année, un programme de télévision en langue française est échangé entre différentes chaînes, depuis le Québec, l'Afrique, l'île Maurice, jusqu'à la Belgique et la Suisse. Il y a un thème précis qui est imposé à chaque fois. Cette fois-ci, c'était un homme dans l'histoire. Et c'est Brigitte Simonetta, l'auteur de ce document, qui a eu l'idée de faire le portrait de Maurice de la Fosse. Maurice qui, vous allez me dire? Eh oui, personne ne connaît en France Maurice de la Fosse. Et pourtant, il a joué un rôle capital au début de ce siècle, et les Africains, eux, ne l'ont pas oublié. C'est lui, en effet, qui le premier a bouleversé la vision que le monde avait de l'Afrique, qui reposait jusqu'ici sur les images exotiques coloniales, d'une terre inculte à civilisée d'urgence. En effet, il a voyagé pendant plusieurs années comme administrateur en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il a partagé la vie quotidienne des Africains, il a appris toutes leurs langues et recueilli toutes les traditions orales. Et il a découvert que l'Afrique avait une histoire très riche avec des civilisations nombreuses et brillantes et que l'image simpliste que nous avons de l'Afrique était complètement fausse. Père de l'ethnologie moderne, linguiste, historien, Maurice de la Fosse a formé plusieurs générations d'étudiants par son enseignement et par ses ouvrages. Il a d'ailleurs permis à plusieurs générations également d'Africains de découvrir leur propre patrimoine culturel et la valeur de ce patrimoine culturel. Ce fut le cas par exemple de Léopold Sédar Senghor, qui me confiait que lorsqu'il avait lancé le mouvement de la négritude avec Aimé Césaire, les ouvrages de Maurice de la Fosse étaient très importants pour lui, c'était son livre de chevet. Maurice de la Fosse a été l'un de ceux qui ont commencé par affirmer qu'il y avait une civilisation négro-africaine et même un humanisme négro-africain appartenant au patrimoine de l'humanité. Il est, on peut dire, le fondateur des études d'histoire africaine en France. C'est le maître, c'est avec lui que tout commence. Je crois que c'est de la Fosse qui est le premier à avoir réfléchi et sur l'histoire, sur l'ethnologie, la linguistique de l'Afrique. Si je vous dis Maurice de la Fosse, à qui pensez-vous? Je ne sais pas. Je sais pas, je connais pas du tout. Vous savez pas qui c'est? Non. Je vous remercie. Ah ben, tant pis, qui c'était? Les spécialistes de l'Afrique, les universitaires le connaissent et le louent, mais au niveau du grand public comme des étudiants, c'est un inconnu. Moi-même, c'est par hasard que je l'ai rencontré en achetant un jour, chez les bouquinistes, un livre écrit par sa fille. Et au fil des pages, j'ai découvert un destin étonnant, celui de Maurice de la Fosse, amoureux de l'Afrique. On peut toujours remonter à l'enfance pour chercher la clé d'une vocation. Mais je ne pense pas que Sansergue, petit village berrichon où est né Maurice de la Fosse en 1870, nous donne beaucoup d'explications. Le village sort à l'heure de la guerre et l'Afrique n'est pas du tout à l'ordre du jour. Non, sa vocation, il la trouve à Paris, dans le milieu estudiantin, où l'on rêve de voyages et d'aventures. Il a été très influencé par son frère aîné, Abel, qui avait 4 ans et demi de plus que lui. Et Abel l'a introduit dans les différents milieux du quartier latin, et Abel était très passionné par la découverte coloniale, par la géographie. C'est l'époque de la grande expansion coloniale, c'est l'époque où l'enseignement de la géographie, où les sociétés de géographie se développent en France, et je crois que ça a sans doute été une des premières influences. La colonisation, c'est l'espace, c'est la lune de l'époque. On se presse aux expositions, on s'enthousiasme, on se nourrit d'exotisme, on se fait peur. De la Fosse dira lui-même plus tard, « Quand vous revenez des colonies, si vous ne parlez pas de sauvages ou de bêtes féroces, on ne vous écoute pas. » Les conquérants sont les gloires du moment. Faits d'herbe,
gouverneur du Sénégal et créateur du port de Dakar. Savornian de Brazza, conquérant du Congo et fondateur de Brazzaville. Mangin, ou encore Largeau, ou bien le père de Foucault, explorateur du Maroc et missionnaire dans le Sahara. Les films, faits pour attirer les jeunes dans l'administration, n'évoquent que la puissance, l'aventure, la belle vie. Pas sensible à ses arguments. Pour lui, le grand homme, c'est Bingère. Le modèle était effectivement Bingère pour De La Fosse. Bingère a fait l'exploration par l'intérieur de l'Afrique. Il était parti du Soudan, du Sénégal, donc, et il avait fait toute une exploration par l'intérieur jusqu'à la Côte d'Ivoire. Le jeune De La Fosse suit toutes les conférences de Bingère et il regarde attentivement les photos qu'il a rapportées. Photos de grands espaces, mais aussi et surtout preuves qu'il existe d'autres cultures, d'autres échelles de valeurs, d'autres façons de vivre le quotidien. C'est le déclic. Maurice De La Fosse avait commencé des études de médecine, il les abandonne. Ensuite, il s'est tourné, en effet, vers les langues orientales. Et il s'est inscrit à un cours d'arabe aux langues orientales. Et ça a été très décisif, parce que c'est là qu'il a rencontré le maître qui l'a influencé ensuite toute sa vie, qui sera également son beau-père, qui est Octave Audace. Donc c'est un tournant très important en 1890. Puis un jour, en cachette de sa famille, il suit en Algérie le cardinal Lavigery. Maurice a alors 21 ans, il a décidé d'aller libérer les esclaves. Lavigery avait fondé l'ordre des Pères Blancs, qui arrêtait les caravanes d'esclaves remontant du Sahara. Pour De La Fosse, l'aventure ne durera pas plus de 6 mois. Il comprend très vite que ces moines sont aussi des soldats, et l'aventure militaire ne le tente pas. Je crois que cette ébauche de vocation, bon, l'a marqué certainement, mais a dû être aussi pour lui une déception, parce que cette structure était quand même une petite aventure qui n'a pas duré longtemps. Mais on sent à travers ça quand même son intérêt, qui n'est pas un intérêt pour la conquête proprement dite, mais pour les idées humanitaires qui circulent à l'époque. C'est ça, déjà son profil se dessine, c'est un humaniste. C'est un humaniste, c'est pas un militaire, il a toujours été assez réticent à l'égard de tout ce qui était méthode militaire. Et pourtant il rentre dans l'administration coloniale. Et pourtant il rentre dans l'administration coloniale, c'est un peu par hasard, parce que d'abord il voulait être plutôt enseignant, et on avait parlé d'un poste au Sénégal pour lui. Et puis l'administration coloniale, c'est autre chose. Pour lui, c'est pas la conquête à coups de mitrailleuse. C'est une toute autre aventure. Il va à la rencontre d'une autre civilisation qu'il découvre. Et pour lui, cette rencontre n'est pas simplement une affaire administrative et bureaucratique, c'est véritablement la rencontre avec un monde qui le passionne. C'est en Côte d'Ivoire que Maurice De La Fosse passera la plus grande partie de sa vie. À 24 ans, il débarque à Grand Bassam, la capitale.
En 15 ans, il sera affecté à Bingerville, à Toumoudi, le lieu qu'il aimera certainement le plus, à Kouodia Kofi Krou, à Bondourou, à Kong. Entre 1901 et 1903, il traversera tout le pays à pied, car il sera chargé d'en délimiter les frontières. Alors voilà comment on commence la carrière de Maurice de la Fosse. C'est un petit commis, un petit grouillot, et en même temps il est très, comment dire, il est très assuré de lui-même. Il est convaincu qu'il a raison sur des tas de choses, et l'administration coloniale, c'est aussi son affaire à lui. Il entend la mener à sa façon, quelles que soient les instructions qui lui parviennent du sommet. Et à l'époque, le sommet n'est pas encore très organisé et la possibilité d'initiative personnelle est considérable. Et c'est ça qui intéresse Maurice de la Fosse. Il aura des problèmes avec son administration. Alors, il aura des problèmes parce que je n'entrerai pas dans le détail, mais il est intégré dans ce qu'on appelle des missions à l'époque, qui sont justement dirigées par des militaires. Il s'entend mal avec ces militaires. Il pense que ces militaires ne font pas le travail comme il faudrait. Il avait une philosophie coloniale, il représentait la sensibilité d'un certain nombre de milieux coloniaux de l'époque. Mais sa sensibilité à lui était sans doute plus proche des méthodes britanniques. Il était contre l'assimilation. En fait, cet objectif de la colonisation française qui voulait faire des peuples colonisés par étapes successives des Français, c'est quelque chose qui lui paraissait un peu absurde. Je crois qu'il y avait en lui l'administrateur des colonies, certes. Et il a bien travaillé pour la colonisation, mais il était doublé d'un africaniste, un esprit curieux, qui voulait connaître justement les civilisations d'autres pays, d'autres continents. Je crois qu'il a su allier ces deux qualités. Dès le départ, Maurice de la Fosse mène deux carrières parallèles. Celle d'administrateur des colonies, qui le laissera amer et déçu, et celle de scientifique qui lui apportera le succès. Il est à la fois ethnologue, historien et linguiste. Il sent que ces cultures qu'il découvre s'appuient sur un passé historique insoupçonné et qu'il a décidé de mettre en lumière. Il note les moindres gestes de la vie quotidienne, fait des schémas, analyse les coutumes et les rites des ethnies qu'il rencontre. Il étudie attentivement les masques, et l'art africain, l'architecture, retrouve ainsi la trace des grands empires. Son prodigieux don des langues lui facilite le contact. Il pose des questions à propos de tout et sait en attendre les réponses. On dit de lui qu'il prend son temps à l'africaine. Comme tous les peuples qu'il a étudiés, de la Fosse a eu le mérite de pénétrer ces sociétés, d'en apprendre les langues, les coutumes. Et cela se ressent quand on lit ses ouvrages consacrés à ces peuples. Pour un mandingue, évidemment, qui étudie l'œuvre de la Fosse, il se rend compte tout de suite que de la Fosse n'était pas un amateur, c'était un fin connaisseur de la civilisation mandingue, comme c'était un fin connaisseur de la civilisation baoulé, autre peuple de la Côte d'Ivoire qu'il a étudié admirablement. Il a aussi révélé le passé des Songhai, peuple du Niger, grand bâtisseur d'empire. Il a traduit en français le livre qui est la source de l'histoire des Songhai et qui s'appelle le Tarikh el-Fetaq. Ce qui signifie la chronique du chercheur, qu'on appelait couramment le Fetassi à l'époque, et avec son beau-père Oudas, qui était arabisant comme lui, ils ont traduit l'ouvrage de Mahmoud Kati, l'auteur de cet ouvrage. Eh bien, grâce à cette traduction, on a pu connaître la succession des rois, l'étendue du royaume, les institutions, les richesses de l'Empire Songhai. C'est la base de toute connaissance sur l'Empire Songhai, c'est le Tarikh el-Fetaq. Et c'est de la Fosse qui a été le traducteur de cet ouvrage fondamental. Même chose pour les Sonenke. De la Fosse montre que ce peuple a fondé le premier empire noir du Ghana.
Il parle aussi des Baoulés, des Wolofs, des Serrères. Un membre de la fosse, c'est une charnière fondamentale. Et absolument, c'est une charnière fondamentale. Comme je vous le disais, il est impossible de faire l'histoire des empires médiévaux de l'Ouest africain sans lire les travaux de la fosse. En fait, c'est par indignation que Maurice de la Fosse devient un scientifique pour apporter des preuves irréfutables de la grandeur de ses peuples. Il sait qu'en Europe, on ignore tout de l'Afrique et il veut réparer ce qui lui semble une injustice de l'histoire. Il se dépense sans compter, surtout pour le peuple mandingue dont il apprend la langue et les dialectes. 60 ans plus tard, Gérard Dumestre a repris cette chaire de mandingue, mais c'est de la Fosse le premier à l'enseigner à l'Institut des langues orientales. Il commence avec un seul élève, mais peu à peu, son enthousiasme et sa passion l'emportent sur l'indifférence, et les élèves sont de plus en plus nombreux. En ce qui concerne ce que de la Fosse a fait sur le mandingue, je conseille toujours à mes étudiants de le regarder, et même aux chercheurs de le regarder, même si on est obligé de jeter un œil critique sur un travail qui a été fait à une période où la linguistique était tout à fait balbutiante, et aussi en tenant compte du fait que de la Fosse a travaillé sur une surface très, très large, et que par conséquent, il n'y a pas toujours les raffinements du point de vue dialectologique qu'on peut maintenant attendre d'un tel travail. Cela dit, c'est une somme considérable. Surtout si l'on tient compte des conditions dans lesquelles s'opéraient les travaux des linguistes à cette période-là. Pas de magnétophone, pas de voiture, pas de transport rapide, pas d'avion, etc. Ce qui est très important dans son travail, c'est la somme monumentale de documentation qu'il apporte. Et là, de ce point de vue-là, il est le seul, parce que le dictionnaire qui avait précédé le travail de la Fosse, qui date de 1906, était restreint géographiquement à la région de Ségou, était beaucoup moins important. C'est un grand maître pour tous les gens qui s'occupent de linguistique africaine de l'Afrique de l'Ouest. Mais je pense que le travail de la Fosse en ce qui concerne le mandingue a été l'œuvre essentielle pendant un demi-siècle. Le premier A, le premier qui, le précurseur, le pionnier, ils le présentent tous de la même manière comme un grand scientifique qui a révélé la culture et l'histoire de l'Afrique. Mais dans la vie de tous les jours, comment se comportait Maurice de la Fosse? Nous l'avons demandé à son petit-fils africain, Jean-Claude de la Fosse. Pour avoir fait l'œuvre qu'il a faite, il était obligé de toute façon d'avoir un comportement humain et un abord très facile. Il n'indisposait personne. Au contraire, je crois qu'à travers ce qu'il a pu écrire et ce que j'ai pu voir de ma grand-mère, il était plus ouvert à la conversation que ne pouvaient être, disons, les indigènes même qu'il rencontrait. Et c'est ce qui a facilité son travail et son introduction dans certaines palabres. Et parce que il usait, vous savez, c'était la tradition d'ailleurs, que d'apprendre avant que de se rendre chez quelqu'un ce qu'il fallait faire. Actuellement, je crois que c'est ce qu'il manque à notre génération actuelle, qu'elle soit blanche ou noire. On ne sait pas comment il faut se présenter dans une cour, alors qu'à l'époque, toutes ces personnes-là prenaient la précaution de s'exercer avant de rentrer dans une cour, et ils le faisaient, et ils surprenaient des fois même d'ailleurs certains chefs, parce qu'ils savaient ce qu'il fallait dire, les gestes qu'il fallait faire, et ils étaient surpris de voir que ce blanc-là ne fait pas comme les autres. Pendant 15 ans, l'Afrique, c'est sa vie, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan affectif. Sa femme africaine s'appelait Amoin. Elle était la fille du chef d'un village qui s'appelle Abli, près de Toumodi. Et il a été très attaché à cette femme. Il a dû vivre avec elle, j'ai l'impression, une bonne dizaine d'années.
Elle l'accompagnait dans ses différents postes en Côte d'Ivoire. Et ces liens étaient des liens affectifs certainement très réels. Pour elle, c'était un grand seigneur. Et d'autant plus qu'elle avait un traitement que peu d'Africaines, malgré son rang social, qui était un rang haut, parce qu'elle a été en quelque sorte, je ne dis pas bannie, mais enfin poussée en dehors de la cour royale dans laquelle elle vivait, parce qu'elle avait épousé un blanc. Et que ce blanc le lui rendait bien, puisque ce blanc traitait cette personne avec beaucoup d'égards, en ce sens qu'il lui donnait, contrairement à ses autres collègues, le siège porteur que les indigènes portaient à l'époque. C'est elle qui voyageait là-dedans, et lui, en quelque sorte, n'aimait pas voyager dans ce confort-là. Maurice de la Fosse a épousé votre grand-mère ? Il l'a épousée coutumièrement. Selon les traditions de ma grand-mère. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'avait pas de valeur légale pour la France, pour un mariage pour la France, mais c'était une valeur psychologique, c'est ça qu'il voulait. Oui, il voulait montrer qu'il ne la prenait pas comme une compagne, disons, de lit, mais il l'épousait selon la coutume. Et il se devait, je crois, de le faire pour croire à ce qu'il entreprenait. Et cela est allé au point qu'il a reconnu les deux enfants qu'il avait eus d'elle, je crois que c'était Henri et Jean de la Fosse, quatre jours avant de se marier avec son épouse française, donc, qui sera Alice Oudas, la fille d'Octave Oudas, et non sans causer des ennuis familiaux, parce que c'était assez mal perçu et assez mal reçu à Paris. Beaucoup de coloniaux ont eu des femmes africaines, mais peu ont reconnu leurs enfants métis. Et ça, c'est un geste très important de sa part. Après la Première Guerre mondiale, Maurice de la Fosse revient définitivement en France. À Paris, il habite rue Vanneau, en plein centre de la capitale. Il est pris alors d'une boulimie d'activité. Il donne des cours aux langues orientales, à l'école coloniale, à l'école des sciences politiques. Il travaille à la Société de géographie, boulevard Saint-Germain. Il crée l'Institut d'ethnologie, la Revue d'ethnographie, entre au Muséum d'histoire naturelle et participe à la création de l'Académie des sciences coloniales, aujourd'hui Académie des sciences d'outre-mer. Pour cette Académie des sciences d'outre-mer, il a rencontré Paul Bourdary. Et c'est avec lui et Martineau qu'ils ont lancé, profitant du passage d'Albert Lebrun, qui était un colonial tout à fait convaincu, pour lancer l'Académie, c'est appelé l'Académie des sciences coloniales, dont la devise était savoir, et toujours savoir, comprendre, respecter, aimer. Et c'était de la Fosse qui avait trouvé cette devise qui correspondait tout à fait à son idéal de service, au service des peuples, au service de ces pays étonnants, qu'il avait découvert et qu'il voulait faire connaître aux autres. Mais pour faire comprendre et aimer, il faut expliquer. Les honneurs et les distinctions n'intéressent pas de la Fosse. Ce qu'il veut, c'est toucher le grand public, donner par des mots simples une idée juste de l'Afrique, faire tomber les idées reçues. Il réussit ce pari en 1920 avec Les Nègres, un livre qui se vend comme un roman. De la Fosse était un travailleur phénoménal. Enfin, c'est un homme qui devait travailler 15 à 16 heures par jour, laissant extrêmement peu de temps au sommeil et recopiant des dictionnaires. Le travail à la main qu'il a réalisé, peu de gens ont idée de ce que cela représente pour quelqu'un. Maurice de la Fosse a publié plus de 60 livres, écrit des centaines d'articles, préfacé des dizaines d'ouvrages. Quand la fatigue l'emportait, c'est dans la maison d'enfance, dans la campagne berrichonne, qu'il venait se reposer. Étienne Gouvernel, qui était alors un petit garçon, est un des derniers à l'avoir vu vivant. Je suis vraiment très ému d'être sur ce petit pont qui était l'endroit favori de repos et de réflexion de Maurice de la Fosse.
et je suis persuadé que je l'ai vu ici, fin août, début septembre 1926, quelques semaines avant sa mort. Pendant 60 ans, on a oublié Maurice de la Fosse. Mais aujourd'hui, on parle de dialogue des cultures, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On cherche la mémoire de l'Afrique et tout naturellement, on redécouvre Maurice de la Fosse.